Ah, tu peux le faire, toi? Ouais. Tu te mets de ce côté-là, puis t'appuies... C'est en bord de Seine, à Vernon, que Francis Renaud tourne aujourd'hui les dernières scènes de son film. Depuis la mi-mars, l'acteur confiné avec sa fille et son ex-compagne a commencé à tourner un long-métrage. Le point de départ, les menaces reçues par les soignants. Ça m'a mis la rage. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces quelques jours de confinement? Ben, je vais prendre mon smartphone, je vais écrire une histoire dans ma tête et on va la filmer tous les jours. Et le titre est venu rapidement. Quand j'ai entendu première ligne, je me suis dit, mais c'est ça le titre, première ligne. Et à partir de là, on est parti en improvisation chaque jour sur un thème différent. Et elles ont suivi. Elles sont rentrées dans la peau chacune de leurs personnages. Chez eux, au supermarché ou en extérieur, avec à chaque fois leur attestation en poche, les trois acteurs ont enchaîné les scènes avec les moyens du bord. Il faut faire travailler l'imagination. Tu n'es pas soumis à un scénario, à une écriture qui va te faire répéter les choses et te rentrer dans une... Là, on s'amuse, quoi, comme des gamins. Il faut se creuser la tête pour savoir comment on va faire, pour faire tenir un téléphone et faire un plan, alors qu'il n'y a pas de cadreur, il n'y a rien. Dans Première Ligne, Jennifer Miramont joue une aide-soignante, métier qu'elle a pratiqué. Mais sur le film, celle qui fut actrice dans sa jeunesse est également assistante. C'est chouette de mettre à profit ce temps qu'on a pour nous, déjà pour se retrouver et pour en tirer quelque chose de sincère, d'humain et de fédérateur, j'espère. Pour Eva Rose, 9 ans, en revanche, c'est une première. C'est une expérience très rare et puis je suis contente parce que... Faire un film, j'aime bien. En 6 semaines, près de 2 heures de rush ont été tournées. Les images sont ensuite envoyées à un monteur à Bayonne. Le réalisateur espère en faire un film d'1h30 environ. Il est à la recherche d'un producteur.